Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre web-série qui revisite quelques idées reçues sur le métier de la promotion immobilière. Nous sommes aujourd'hui avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Fleur. Nous voici devant le chantier Patio Sévigné du groupe Arc où dans quelques semaines vous allez emménager. Exactement, ça fait maintenant 2 ans que j'ai signé mon premier achat d'appartement en VEFA à Cesson-Sévigné en Bretagne. Vous êtes jeune, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Dans un premier temps, c'est surtout le fait de pouvoir rembourser un emprunt plutôt que de jeter des sous par les fenêtres pour un loyer qui coûte très cher. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du dispositif d'accession à prix maîtrisé. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'accession à prix maîtrisé, c'est un dispositif d'aide au logement qui permet à des jeunes comme moi de pouvoir accéder à un appartement, à un logement, à des prix inférieurs à ceux du marché. C'est une très belle opportunité pour votre premier logement. Tout à fait, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du programme du groupe Arc ici à Cesson, juste à côté de mon lieu de travail. Et quels sont les critères pour y avoir accès ? Alors il y a différents critères. Tout d'abord, il faut habiter la ville dans laquelle vous allez acheter votre logement. Il faut évidemment que la ville ait mis en place ce dispositif, que ce soit l'achat d'une première résidence principale. Et pour ça, il faut également avoir de petits revenus pour pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro et avoir un apport minimum pour l'achat du logement. Très bien. Merci Camille pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Vous vous aménagez dans quelques semaines, j'imagine que vous avez hâte. Exactement, le jour J approche et j'ai hâte d'emménager. Si, comme Camille, vous êtes intéressée pour l'accession à un prix maîtrisé, je vous donne rendez-vous sur notre site internet. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez connectés.